Allez go, c'est parti, on va se la tenter sur la machine à sous Noua. Donc comme d'habitude, je répète souvent dans les vidéos, mais le jeu qui paye quand il a envie, puis quand il a envie, il paye pas. Enfin, juste pour dire que les machines à sous, ça paye pas tout le temps, ça paye uniquement de temps en temps. On commence à 6550 balles, on va voir en fin de vidéo. Troisième en début de partie serait pas mal. Et ben sans déconner, je pensais qu'il allait me faire un leurre, mais non. Ça j'aime bien quand il balance les trois scatters quasiment en début de partie, mais bien sûr ça arrive pas tout le temps, c'est relativement rare. Bon, dommage que c'est pas des mises plus élevées que 28, mais bon, on va faire avec. Alors les boulettes double wild. On arrive à collecter toutes les boulettes. Ça m'étonnerait, trois parties gratuites de restantes. Le cas expansif pour la dernière. Ok, 417 de gagné, c'est même pas un fois 20 par rapport à la mise. Bon, on va faire avec. Alors, petit bénef pour le moment. Il aura pas duré longtemps. Alors round 2 ou pas de round 2, pas pour le moment. De toute façon je vais attendre un petit moment, je vais tenter d'augmenter les mises, mais bon bien sûr si je ne paye pas le sol il va se prendre une tarte. C'est 1909. Dommage, j'aurais peut-être tenté d'augmenter les mises maintenant. Alors 70 c'est trop, 35. Allez, mise à 49, quasiment 50 balles de spin. En espérant que le jeu y paye, parce que s'il paye pas la balance, ça va se prendre un coup de hache, ça va se faire couper en deux. Si c'est pas coupé en 4. Là, ça va embellir une pendule troisième. Faut quand même pas trop croire au Père Noël. Il nous l'a pondu, j'allais dire c'est pas encore l'heure, mais apparemment il nous l'a pondu. Allez, free game à 49 balles de speed, j'espère que ça va être intéressant au niveau win. C'est pas garanti. On a Miss Micro Silicone, on va voir si on va collecter toutes les boulettes. C'est pas évident de pouvoir toutes les collecter. Alors, est-ce qu'il va me filer un win relativement intéressant? 4 parties restantes, 3. Pas énorme niveau in pour le moment. Bon, 3 boulettes de restantes à collecter, je pense que c'est cramé. Ah ben non, on va même pas arriver au x10 par rapport à la mise, enfin on va voir ce que nous réserve le dernier spin. Spin cacahuète, même pas un x10 par rapport à la mise, 374. Quoi, c'est pas... Enfin, les free spins, ça paye pas tout le temps du lourd. On a gagné deux fois les parties bonus free spin, mais pas de bénéf.
Alors, un big win, 625 avec le free game. Toujours pas en bénéf, je rappelle, j'avais commencé à 6550. Enfin, ça je le précise car je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui regardent uniquement, enfin spécialement les vidéos où il y a de la gagne ou où ça paye. Enfin, quand même se faire un juste milieu, regarder aussi les parties perdantes. Alors la miss, pas de big win. Faut pas se faire d'illusions avec ce genre de jeu de machine à sous, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Sinon c'est logique que le casino n'existerait pas. Alors le 3ème, ça m'étonnerait, ouais. Bon certes il y a des joueurs qui gagnent mais la plupart ils se font quand même plumer. Ça mise à 49. Chiffre 3. Alors, je vais rien dire, c'est m'étonnant qu'il prend le troisième scatter. Ça non plus. Une petite montante, ouais non, on va éviter. Ah pourtant j'aurais dû peut-être. Alors il y en a 50 balles, ça va payer que dalle comme les précédentes. Déjà si on dépasse le 3-10 par rapport à la mise. Allez, une boulette sur 5. C'est vrai que cette machine à sous, je l'ai testé plusieurs fois, mais rares sont les fois où j'ai réussi à collecter les 5 boulettes. Alors on dépasse le 3-10 par rapport à la mise, c'est déjà ça. Sinon à part ça, toujours la ramasse au niveau de la balance, on n'est pas en bénéfice, on est largement en perte. Par rapport à l'avance de départ. Alors une boulette à collecter, est-ce qu'elle va nous planter la miss petit silicone? Et bien voilà, c'était planté, hop, pas de game supplémentaire, 582. Donc le bilan, on a gagné 3 fois les bonus free spin, une fois un big win, pas de bénéfice malgré ça. Un peu de leçon à ceux qui veulent tester ce genre de jeu. Enfin je dis ça parce que j'ai déjà eu des commentaires, tiens bah je voudrais essayer les machines à sous, je voudrais bien arrondir mes fins de mois, bah ouais bah franchement bon courage. Alors, certes c'est possible d'arrondir ses fins de mois, mais c'est aussi possible
réduire son budget du mois. Tout simplement en se tapant de la loose. Alors 3006. On va les montantes, on va essayer. Ah, bon, dans la chance, le miracle. Alors là ça pique, j'espère qu'il va me filer quelque chose. Et ben non, malheureusement. Que dalle sur la montante, que dalle sur la montante. Ouais, forcément, ça peut pas marcher à tous les coups. Donc, je crois bien que cette vidéo va partir dans la playlist des parties perdantes de machine à sous. Malheureusement, il y a plus de gens qui regardent mes vidéos Best of Machine à sous que Partie Perdant, mais c'est vraiment important de prendre conscience des pertes qu'on peut se prendre en pleine face avec les jeux. Le troisième scatter, il n'est pas là. Et on bascule sur le chiffre 2. $75 Five of a Kind. Grand Prélio 2, 625 balles. J'ai tout de même fixé une limite vers les 2000 balles, donc on n'ira pas plus bas. De toute façon, j'ai l'impression que c'est mal barré sur cette partie. Hey, free game pour lâcher pas combien de fois. Alors, est-ce qu'on va encore se taper des free games cacahuètes? On va collecter les 5 boulettes, on va oublier. Alors, est-ce qu'il pouvait me pondre 2 ou 3 wilds avec du high symbol à côté? Non, je crois qu'on va être à la ramasse niveau win. À la ramasse complet. Eh ben, pas grand chose, à 258, même pas un fois 10 par rapport à la mise. Les free games n'étaient pas au top. Alors le troisième rat, non c'est pas un rat, c'est un serpent. Je crois que c'est une mauvaise idée, mais on va tenter les mises à 70. De toute façon, limite fixe à 2000 balles, on n'ira pas plus bas. Alors, 1 x 100 par rapport à la mise, 7000 balles. Bon, c'est ce que j'attends généralement, les gars, environ x 100, et bien sûr, ça court pas les rues. Alors, torchade, hop, on va se calmer. Alors, 937, ça c'est un peu mieux. Bon, pour des mises à 35, dommage que c'est pas des mises à 70. Alors, petite tentative. Un peu hésitant, mais bon. À 70 balles, spin à 70 balles, et ben on gagne 5 euros ici, le début de la fortune.
Le troisième à 110 balles, bordel. Il va faire son crevard, il va pas apparaître. Cher joueur, vous êtes pris un triple leurre en pleine face. Le casino vous remercie. Bon, c'est vrai que c'est un peu tape à l'œil, le scatter roule 1, roule 2. On se dit, tiens, bon, on a 3 chances, roule 2, 3 et 4 pour avoir le troisième. Mais au final, il sort pas très souvent. Allez, je crois au miracle. Ah, je crois au miracle. Eh ben, tu t'es fait scroquer de 140 balles. Je sais pas combien de rounds de free game on a gagné au total. 5, il me semble. Enfin, je sais plus, je vais pas compter exactement. Plus les big wins. Et au final, d'Abiglouze. Rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5. Va-t-on se prendre un triple en pleine face? Et voilà un petit leurre idem au précédent. Bon, ça va être l'heure de tirer le frein à main. Je m'étais fixé une limite à 2000 balles, donc là on va y arriver. Spin à 28. Bon, mauvais timing. Ben, on termine à 2008. Je rappelle, j'avais commencé à 6550. Donc, jolie performance de la part du casino. Alors, on verra sur les prochaines. Peut-être tenter le lucky lucky. Mais bon, il est un petit peu tendu. S'il paye que dalle, on finira à 0. Enfin, on verra bien. De toute façon, ce sera au bonheur la chance. Au bonheur, j'ai pas de chance.